Et yo tout le monde, c'est Elfou, on se retrouve aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo, et ceci sur Myri, When Light Die. Voilà, alors ce jeu, je l'ai juste téléchargé, vraiment, je n'ai pas joué, juste configuré et tout, c'est tout. Tout ce que j'ai fait pour l'instant. Alors ce jeu, il faut dire, c'est un jeu en fait réalisé par des Français, déjà ça c'est... Déjà c'est incroyable, il n'y en a pas énormément non plus. Je sais, c'est un très bon jeu, enfin d'après ce qu'on m'a dit. Et en fait, je ne connais pas le nom, mais il faut un accessoire spécial. C'est un espèce de casque qu'on nous met sur les yeux. Et après, ça nous fait en fait un jeu en 3D. On a vraiment l'impression d'être dedans, du coup. Voilà. Alors, je ne sais pas pour ça, mais moi, je n'en ai pas. Alors, on va se débrouiller sans écouter. Bah, écoute, on commence tout de suite. Alors, oui. Bon, ça, ça fait... ok. C'est bon, son casque est branché. Bon, l'expérience est sur le point de commencer. On est en train d'établir votre profil, ça ne sera pas long. Tout est stable. Je lance la génération de l'univers. Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. On va Swag. tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Vive la nature! Attends, viens voir, on a un tour étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le générateur est hors limite. Bon, ne vous inquiétez pas, on va Oh, régler le problème. oh, oh. J'ai essayé de relancer le processus, mais c'est trop Non, long, mon arme! il est déjà... Là, il est rouge! Ah! Non, non, ouais, deux, non, ah! Où sommes-nous? Oh putain! Ouais, je crois que je vais assez là. D'accord? Ça vous dérange pas? Bonjour la chaise. Je peux monter? Non? Ah, va t'en foutre, connasse. Non, bonjour. Wesh! C'est quoi le but du jeu? Je vous cache pas que je stresse. M'aérer. Mais ce n'est pas du tout gore, dites-moi. Vivez vos rêves. C'était un putain de tableau, il m'a fait peur cet enfant. On a eu un problème. Il faut que vous reveniez rapidement au point de départ. On voit maintenant quand vous serez assis sur la chaise de transfert. Faut que je retourne à la chaise de transfert, mais y a plus de salle. C'est quoi ce bruit? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tais-toi, je peux parler, tais-toi. C'est quoi des manches lumière? C'est quoi? Ta mère, connard! Ok, essayez de rejoindre l'autre pièce de transfert. Reviens-moi, Yu! J'ai peur! Ta mère! Plus lumière! C'est quoi ce tas? Okay. La pendule, tais-toi! T'es sérieux, toi? Sale gosse! Non, non, d'accord, je me casse! Mais casse-toi! Mais je m'en fous de tes anges-lumière! Anges-lumière ou je sais pas quoi, la meurt! C'est quoi ce gosse? Détecteur de bizarre pour son rêve. Quoi? T'as quoi? Tu veux un bisou? Bah non! Vas-y, range chez ta mère! Oui, je sais qu'il y a quelque chose de bizarre. Eh, je suis comme ça. Salle à manger. Lol. Oh, je vous jure, c'est quoi qui se passe en l'air? C'est quoi la manche lumière? C'est quoi la manche lumière? Oui, c'est quoi? C'est des couilles géantes? Oh! Oh! Jeu de merde, je te le dis moi.
mère, c'est pas maman pour un gosse, et il y a l'autre... Quoi, tu veux un bisou, c'est ça? Mais avance! Couille géante, là. Ah, j'entends un gosse qui court derrière moi, ça me stresse. Ah oui, les midi, c'est l'heure d'aller manger, je sais. J'ai faim aussi. Non, j'ai... Mais non. Je peux enlever mon casque maintenant. Hein? Non. Ok. Je suppose qu'il y a toujours le petit gosse derrière moi. Je peux pas me retourner. On va faire la slender. On va faire un dernier petit tour et on va aller en train d'aller. Non. La manche lumière. D'accord. La manche lumière. Mais c'est quoi des manches lumière? C'est quoi des manches lumière? En fait, j'ai dit je voulais faire un seul tour, mais j'avais fait deux. Je vais manger. Alors. Elle revient, c'est ça. Hop. Je prends en voir ce qui m'attend. Je comprends vraiment pas comment les gens font pour aimer ce type de jeu. Oui, les manches lumière, je sais, ils font peur. Ah, j'ai mal à la tête. Ma coffre, il m'arrive. Je suis bourré. J'ai compris. La ferme. Je vais vomir. Mais mange-moi, ça manche lumière. Quoi? Mais c'est ouf. C'est ouf. Oh, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Mais c'était quoi ça? Ok. Alors, on va y retourner. Désolé mon ami. C'est bon, son casque est branché. Bon. Bon, l'expérience est sur le point de commencer. On est en train d'établir votre profil, ça ne sera pas. Tout est stable. Je lance la génération de l'univers. Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Est développé par des étudiants français aussi, je crois. Je sais pas si vous en souvenez. Attends, viens voir, on a un tour étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le générateur est en limite. Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. Essayez de relancer le processus, mais c'est trop long. Non, non, non. Oh, j'ai le petit garçon. D'accord. Je vais tester un truc, pardon. Ça fait quoi? Si je sors mon marche arrière, est-ce que je joue toujours? Sortir quoi. Et voilà. Nous voilà plongés dans l'univers démoniaque. Oui, le tableau qui tombe, j'ai encore eu peur. On est un problème. Ico veut revenir rapidement à votre point de départ. On voit maintenant comment ça assis sur le chef de transfert. Ah, j'aimerais bien, mais elle est où le chef de transfert? Ouais, et ça m'a pas bien.
pourquoi j'ai pas vu une meuf à poil à la place du petit garçon? Hein? Quoi? Pourquoi un petit garçon d'ailleurs? Ah, bientôt. Il semblerait qu'il y ait une autre chaise quelque part. Ok, essayez de rejoindre l'autre pièce de transfert. Pour récupérer le début de l'assis. Bah, j'aimerais bien, moi. What the fuck? Mais meurs, sale gosse, qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, les manches lumière, je sais. Oh! Oh! Oui, je sais! Alors, vous avez bien vu! Vous avez vu comme moi! Vous l'avez vu! Il y avait une silhouette au loin! Ouais, le petit garçon il est pas méchant. Enfin, je crois. Sérieux, il y a quelque chose de bizarre. Il se relie directement à mon central nerveux, c'est pas déjà si bizarre comme ça. En fait, à quoi il sert le garçon? Parce que c'est pas lui le méchant en fait, alors je vois pas vraiment à quoi il sert. Avant de suivre. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la table. Perso, je préfère Slender. Oui, je sais. En gros, c'est un amnésia en mode chiant. Voilà. Là, je crois que t'es déjà allé. Le manche lumière n'est pas là. C'est quoi ce nom, le manche-lumière? C'est pas possible de manger la lumière. Enfin, à part les trous noirs, personne ne peut rien de peu. Je crois. Ah, voilà. Ah. Petit garçon? What? C'est quoi, vous avez combien de plongée? Non. C'est quoi le DA du jeu en fait? C'est quoi le créateur en fait en faisant? C'était... Eh! J'ai une idée! On va les mettre dans un labyrinthe où ils font sombre avec un pédobir et un petit garçon. Et ils vont se perdre pendant des heures. Hein? Ouais, c'est bien comme idée. Vas-y, en Paul, on fait ça. Non, non, ça, les gars. Arrêtez, c'est quoi ce jeu? Y'a rien à faire, je pense. Enfin, je crois. Enfin, voilà. Bon, le tableau qui est par terre. Bon, Pédobir, t'es où? Maéré. La meilleure idée du monde. Allons par ici. Surtout il nous dit de trouver une chaise. Pas vraiment une chaise normale, juste ça pas suffisant. Oh, une chaise. Change quoi? Mais avec des vieux screamers de merde. Quoi, quoi, quoi? Mais elle est où ta
ta chaise, gamin. J'ai la chair de poule. Gamin, t'es où? Ah! Vas-y. J'ai la peau du poulet partout. Et le bien n'est pas là. Où es-tu, Pédobir? Oh, dodo. C'est moi, c'est Capon. Oh, la chaise! Oui! Quoi, 4%? Oh non! Oh non, non! Je suis pas d'accord! Je sens qu'il va se ramener le mange-lumière. Non! Crise d'épilepsie! Oh. Non! 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 Oh non, j'ai peur! Non! Non, 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 s'il te plaît, non, non! Non, non, tu te barres! Non, je pars! Oula! Oh là là! Oui, le mange-lumière! 0%, 0%, c'est à peine 0%, mais ferme la porte, mais on a 5%. C'est quoi ce truc? Mais mange le mien. Ah bah voilà. Next. Eh bah c'est magnifique les gens, on a fini le jeu, mais on est mort. Donc, bah, ce jeu, écoutez, il était assez chiant. Il fait quand même assez peur, ça va. Bah, après, c'est pas non plus... Enfin, j'ai eu peur, mais sans plus, quoi. Quoi dire... Enfin, que dire sur ce que quoi dire, ça... Bah, je sais pas trop, quoi. Bah, après, si vous voulez le tester, bah, testez-le, vraiment. Après, bien sûr, la sensation n'était pas à 100%, vu que je n'ai pas le casque à mettre bah, sur les yeux. Voilà. Bah voilà voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Écoutez, vu qu'en ce moment j'ai pas mal de jeux d'horreur, je pense que je vais peut-être me lancer dans quelque chose qui ressemble à une série, mais qui n'en est pas forcément une. C'est un peu comme les moments inutiles avec le fou, sauf que ce sera en gros bah des jeux d'horreur. Voilà. J'en ferai peut-être quelques-uns, je sais pas trop, je vais voir. Bon, écoutez les gens, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Allez, salut à tous.